Mes bien chères sœurs, mes bien chers frères, c'est un grand jour encore, puisque, il faut que je vous l'avoue, une fois de plus, je suis puni. Oui, le grand ancien m'a puni à nouveau, puisque je ne sais pas pour quelle raison il a trouvé que mes comportements étaient tout à fait inadmissibles, et il a trouvé de bonne loi de m'infliger encore un jeu dont je ne sais absolument rien et qu'on va découvrir ensemble. Ce jeu, c'est The Unholy Society, et paraît-il, c'est un jeu intégralement fait par du geek 100% pur. D'où mon inquiétude. Meurice, pourrais-tu avoir la gentillesse de m'envoyer de m'enlever cette réverbe qui me donne un air ridicule? Merci. The Unholy Society est donc un jeu d'aventure-action qui va m'envoyer dans un rôle très très proche d'un certain Constantine, puisque oui, je vais retourner dans le monde réel. Essayer de rééquilibrer les forces entre le bien et le mal par moult péripéties. Allez, on se téléporte direct dans le jeu. Ouais, ça y est, on est dedans. Eh oui, c'est moi, je suis Bonbon Horowitz. Le grand ancien aurait quand même pu me donner un autre nom, parce que franchement, je sais pas... Gros qui tâche, quoi, ou bien... méchant bourru. Non, Bonbon, ok, c'est mon nom. Et on y va dans cette nouvelle aventure, car je vais devoir rééquilibrer, je vous le rappelle, bien et mal dans ce monde complètement tordu. Alors, je préviens d'avance, tous les dialogues sont en anglais, donc je vous laisse vous débrouiller, je ne vais pas tout vous traduire. On m'appelle, je crois, je vais décrocher. Oh putain, insiste, hein. Je vais être obligé de me lever, je crois. On est toujours en bonne compagnie, c'est bien connu, enfin. Monsieur K n'est jamais seul pour dormir. Ah, l'idiote, elle a raccroché au moment où je décrochais. Ça fait toujours ça, comme par hasard, en plein milieu de la nuit. Vous avez remarqué quand même? C'est bizarre. Oui, t'inquiète pas, Lily, je vais revenir. J'ai une petite chose à faire. Oui, je vais te la trouver, Talim, y a pas de problème. Ah là là. Je vais être gentil, des fois qu'elle se rendorme. Oui, j'aime bien faire des trucs quand les gens dorment. Alors le jeu est très très stylisé, hein. C'est très marrant, on a l'impression d'avoir une espèce de bande dessinée interactive. Et vous allez voir que les répliques, c'est pas mal quand on a à les gérer, puisque généralement on a des choix de dialogue avec les personnages. Et c'est plutôt drôle, et puis on peut envoyer du gros à des moments. L'autre truc marrant, c'est qu'il y a des phases de combat aussi. Alors les phases de combat, vous allez voir, c'est très très particulier. Alors qu'est-ce qui ressemble à une lime là, où là j'hésite vraiment, vraiment j'hésite. Ouf. Soyons aimables. Je vais en profiter pour checker mon téléphone, on sait jamais. Zut, je me suis trompé. Non, c'est bon. Regardez-moi ce téléphone moderne de la haute technicité. Message, je dois en avoir plein, je présume. Suzanne qui vient d'appeler, qu'est-ce qu'elle me raconte? Blablabli, blablabla. Un anniversaire. Ce qui est bien, c'est qu'ils font les anniversaires pas forcément calés sur le jour de l'anniversaire, du coup, c'est assez souple. Et j'ai répondu des tas de choses, mais je me demande si j'étais pas un peu bourré, en fait. Oui, je crois que les relations avec Suzanne, c'est un petit peu... cramé. On ne s'aime plus trop. Et en tout cas, elle a insisté pour essayer de me joindre. Ouais, non mais... Tu es un bad brother.
Je vais continuer de l'être. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme message? Barocus, qui est-ce donc? J'ai respecté mon téléphone, je suis très très curieux de savoir tout ce qu'il y a dedans en fait. Oh, un snake. Oui. Oh, c'est bizarre, je fais tout le temps le même score dans ce jeu. Étrange. Bon, on verra les autres apps. Bon, vous voulez voir un petit peu ce qu'il y a sur mon Insta? Ok. Oui, bah comme tout le monde, je photographie de la bouffe, hein. C'est connu. Ma planche de skate. Oui, parce que j'ai une holy planche de skate. Vous l'avez pas encore vue, mais ça va être terrible. Y a des photos bizarres des fois quand même. Très bizarre. Picolé? Jamais, non. C'était le verre de quelqu'un d'autre, ça. Des sushis. Un holy burger. Et des churros. C'est vraiment la fête. Qu'est-ce que j'ai d'autre en app? Mist Crow. Ouh là là, c'est beaucoup trop d'appels manqués et Suzanne me gonfle. Range-moi ça. Oui. On va retourner de l'autre côté. En plus, je manque apparemment. Allons-y joyeusement. J'arriverai pas à me remettre à ce prénom. Bonbon. On n'a pas idée. Oh. Oh. Oh, holy ho! Oui, le jour s'est levé d'un coup, hein, violemment. Je suis resté 4 heures aux toilettes. Mais oui, je vais te la ramener. Ouf! Exactement. Tu le jures sur Samael? Mais... Je crois qu'elle va nous faire une crise. Ah! Ah! Au nom du pape, au nom de Jean-Paul et de tous les tous ceux qui sont déjà morts. Eh oui, quand le maquillage fout le camp tout de suite, c'est moins beau. Hein. Alors pour se battre dans ce jeu, c'est du tour par tour. Oui, ça va vous rappeler le bâton de la destinée un petit peu. C'est un peu le même principe. Et donc à chaque écran, il va me falloir trouver sur l'affichage des symboles. Et moi, j'ai des réponses que je peux donner à ces symboles qui sont là sur la gauche. Et ces symboles, enfin ces réponses, elles sont stockées dans mon téléphone et donc je peux les appliquer. Reste à savoir si je trouverai les symboles dans le bon ordre. Et selon le cas, je pourrais infliger différentes attaques de différentes intensités. Donc on va s'équiper avec une attaque légère, une attaque moyenne, et on est prêt, on est ready to rock. Donc il va falloir que je cherche sur l'écran les différents symboles qui ressemblent à mes attaques, et que je les sélectionne avec la barre espace à chaque fois, de manière à valider une série qui me permettra de jeter mon incantation. Alors, non, ça va être une light hein, dans ce cas-là. On va faire une attaque light, allez c'est parti. Donc j'ai un chrono, ça veut dire que je peux faire une série d'attaques dans le temps qui m'est imparti. Plus les séquences sont longues, plus ça va bouffer du temps, puis plus il faut que je cherche sur l'écran en plus. Donc on va voir ce que ça donne. Celle-là, 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 il est où l'autre? Je l'avais. Pauvre naïve. Attends, je n'ai pas fini là. Wow!
Cet exorcisme était parfait. Oh, le pape. Ah, lui, au moins, il m'appelle comme il faut par mon vrai prénom. Bonbon. Mais on n'a pas idée, quoi. Et je n'ai aucun rapport de famille avec ce geek qui a une mère qui crie très fort. Je tiens à le préciser quand même. C'est complètement faux! Ta gueule, maman. Ma mission va être de me rendre au mariage de Suzanne. Dame. Quel mariage? Ça doit être la bouteille de vodka de hier. D'accord, donc Baracus, c'est le mari. Elle va se marier avec. Ma soeur va se marier avec Baracus et ça va être le bordel. Puisque j'ai rien préparé, j'ai tout oublié et je pense que je vais y aller. J'aurai encore une haleine de chacal. Oui, il n'y a qu'un chacal, sinon j'aurais dit des chacos. Regardez-moi ça comme je skate comme un dieu. Alors le jeu est vraiment très très marrant dans le style graphique qu'il propose, parce que c'est à la fois minimaliste et à la fois quand même bien rempli, quoi. C'est surprenant comme mélange. Ah, bienvenue en Virginie silencieuse. Qu'est-ce qu'il veut le vieux là-bas? Bien sûr, bien sûr. M'appelle pas bonbon, je t'ai déjà dit, bordel. Merci. Alors le truc qui est agréable dans ce jeu, c'est que du coup, j'ai l'impression que les dialogues ont été vraiment calibrés pour moi. Oui, vous connaissez le mauvais genre de mauvais garçon qu'est Monsieur K. Et forcément, je me fais un peu plaisir. Ah, celle-là, elle est trop tentante. Oui, je suis la déception de la famille. Tu as des bruits qui viennent de ton grenier? Eh bien oui, je vais aller voir. Quel genre de bruit? On appelle ça des souris chez moi, je pense. Ou alors des démons, au choix. Et pourquoi je t'aiderais? Ouais, c'est pas faux ça. Ouais, je vais le faire pour Suzanne. Je suis un bon frangin des fois. Ça arrive. Alors apparemment dans la famille, ils sont très croyants et ils sont tous un petit peu flippés quoi. Heureusement qu'ils ont un frangin comme moi. Non mais il a déjà envoyé quelqu'un. Un grand mec. Un grand mec baraqué taillé comme un séquoia, ok. Qui a chopé les fous apparemment. Alors, allez, les dialogues sont quand même pas piqués des hannetons. Ça, c'est un joli proverbe. Quand même parler aux chiens, j'aime bien parler aux animaux. Ça va? Non mais il répond le bougre. Allez, on y va. Comment ça, je ne skate plus? Mais quelle honte. Une babale. Babale, chien-chien. Ouais, je vais la garder pour plus tard, on sait jamais. Pour tuer des démons avec une babale, c'est pas sûr quand même. Yo bro! Baracus, le voilà enfin. Oui, effectivement, il est bien taillé le garçon. Hein. Je
Oui, je lui dis que c'est lui le faussard. Bah, quand on lui a demandé le service, il aurait pu le satisfaire, quoi. Pourquoi c'est à moi de faire tout le job? Le sarcasme, moi, jamais. Alors n'allez pas croire que c'est moi qui ai programmé le jeu, hein. Mais c'est vrai que les dialogues, c'est un des rares titres où je mets pas beaucoup de temps à choisir ce qui me correspond. Il est allergique au rat. Cette excuse bidon en carton, quoi. Tiens. Oui, moi je suis allergique au bullshit. Salopard. Sur quoi je vais tomber? Nom de Zeus. Apparemment, mon téléphone me laisse choisir encore une séquence. C'est pas très bon. On va conserver ça, hein, vu que j'ai toujours pas déverrouillé d'autres. Je pense qu'au fil de l'aventure, ça va venir. J'aime beaucoup cette musique. Bip bip, bup bup. Qu'est-ce que c'est que c'est? Regardez-moi ces petits yeux verts, fourbes. Bonsoir, Minou. Ronron, Minou. Ah ouais, un ronron minou quand même qui est possédé, ok. Ok, allons-y. Yatta, hein, comme dirait grand-mère. Celui-là, bim! Tiens, sale chat! Celui-là, celui-là, et il est où l'autre? J'en veux un autre, j'en veux un autre, j'en veux un autre, je suis dans la merde. Ah, il va répliquer, je sens qu'il va répliquer. Il vient droit sur moi! Ah oui! Sale bête. Non, pas de croix. Ça. Ouais. Ça. Et ça. Et ça. Va des rétro catatos. Et mange ta baballe. Effectivement, la balle servie contre un démon. C'est incroyable. Je le chante? Ok. Every breath you take? Every move you make, we'll be watching you. Ce jeu va me tuer. Oh là là là, ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère, la team dev, sur ça. Parce que oui, il y a plein de références à la noix, à la con, au choix, comme vous préférez. Et du coup, c'est très très drôle. Je m'attendais à un truc plus calibré, plus standardisé, puis du coup là on découvre qu'on accède à des choses qui sont assez surprenantes. C'était pas des souris en tout cas, man. Tu n'es qu'un gros lâche de séquoia balèze. Les mecs s'attendent à ce que je perde en plus, c'est super sympa quoi. Tiens, vieux P. Alors, Suzanne est en train de se préparer, on va essayer de la trouver. Il faut que je demande à ma tante, celle qui organise tout. Il y a un groom qui s'appelle Edward, qui est d'un genre différent, j'imagine déjà. Ils ont des problèmes avec les Slaves. Allez, on y va, Coco. See ya, dude. Et c'est reparti. Game rated T. Move it, bud. Come on, girl. Give it up for Ooh La La. Hey, nice pixels, Todd. Check it out. Chicks dig the rump shakers. Yeah, she's grooving on that. Gentlemen, need I remind you that the female of the species is our natural enemy? Hey, get up there! Oh. She wants her! Hey, baby, come to Papa! Ooh, heavens! Bad dancing. It's
It's a killer. Space Channel 5 on Sega Dreamcast. It's thinking. Et c'est reparti. Qu'est-ce que quoi? Minou! Ah, toi t'es un gentil. Tu veux pas parler? On va le laisser tranquille, ce chat il a l'air un peu susceptible. Yes, Bunny! Eh ben voilà. L'organisatrice, la tonte. Merci. Oui, j'ai toujours l'air affreux. Je préfère. Le fameux Edward. Ah, s'il est pâle, il peut être que bien. Oh, il est parfait. On va pouvoir enfin remonter la famille Adams. Comme par hasard, oui. Peut-être que sa famille a les moyens de payer des masques de protection, allez savoir. Fallait que je la case, celle-là. Cousin d'Arnel m'a pas été présenté. Il va m'introduire plein de gens. Je vais me mélanger les pinceaux, moi. Oui, j'ai la mémoire d'un poisson rouge. C'est très bien. On n'a pas besoin d'être plus nombreux. Que ce soit un west side, east side, south side ou north side, ça changera pas grand chose. Je crois que je suis coincé sur une ligne, chère tante. Après la station, je suis oncle de Jess. Ok. Et il faut que je vole des serviettes. Bah oui, on a toujours besoin d'une serviette avec soi. Enfin, tout le monde le sait. Ok. Je voulais juste me déplacer. Arrête! Je peux pas aller là. Ok, faut que je fasse demi-tour, donc ça veut dire. Ok. Minou, ça va? T'as toujours envie de me... Ouais, non, mais je m'en vais. Hop, 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 il y avait un truc là. Je suis passé sur quelque chose. Bon, c'est pas grave. Alors, j'espère que je me gourre pas. Hein. Yo! Et le chien? Eh oui, je suis con, Stantine. C'est vrai. Ouais.
On est bien d'accord, le comic book quand même, c'est le meilleur truc à récupérer. J'ai un spécial item, si ça c'est pas la fête. Oh, le chat. Je vais arrêter avec les chats. Les dialogues sont quand même croustillants. Ça va être très utile, du rouge à lèvres. Non, je n'utiliserai pas ça, pas tout de suite. Faut que je trouve d'abord des barésilles. Oui, il faut que j'ai un look complet dans ce cas-là. Une cravate. C'est toujours pas des barésilles. Oui, parce que je viens de Transylvanie, vous le savez bien tous. Salut le chat. Je suis désolé, mais quand je vois des chats, je m'arrête maintenant. Ok. Je suis vraiment un mec trop sympa. Heureusement que j'ai un skate pour me déplacer rapidement. Plus tard le chat, plus tard. Dis donc. Tu fais... Merde. Bon ok, je peux pas lui donner, c'est bizarre. Il faudrait que je trouve les autres items. Alors je me rappelle même plus ce que c'était. On va aller explorer beaucoup plus loin. Je vais pas m'arrêter dans cette maison. On verra bien sur quoi je tombe. Le bord du tableau. Ok. Bon, on ira voir l'oncle plus tard. Hein, ça attendra. Non. Made be. Voilà donc le marié. Marié qui m'a l'air de venir aussi de Transylvanie, si je ne m'abuse. Oui, on va pas lui donner des mauvaises idées. Je vous ai déjà dit que ce prénom raccourci m'horripilé. Et vous savez très bien ce que je fais quand j'utilise horripilé dans un jeu. CF. Un stream déjà passé il y a un petit moment. Oh. Il y aura des gens qui m'aimeraient. Ah mais il est venu avec sa rhum.
Nijna. C'est excuse. Je l'avais dit, les gens ne me croient jamais, j'ai une bonne prémonition. Bah c'est pour ça que je bosse en général, pour rééquilibrer tout le bordel entre les forces du mal et du bien. Allez, let's go for the chit-chat. Ah, c'est pour ça qu'il est riche. C'est un acteur de motion capture qui joue des rôles de chimpanzés. Je suis sûr qu'il nous dit pas tout. C'est vrai qu'un homme qui pleure, en général, c'est un des trucs pour faire craquer les femmes. Ah, l'émotion quand c'est intense, on peut plus se retenir. Ouh! Mais dites donc, ma frangine a un passager à bord. J'espère que c'est pas le 8e. Oui, j'ai vu dans mon téléphone. Chut, faut pas le dire. Je crois que ma soeur m'apprécie toujours autant. Belle ambiance, ça promet. Oui, ma soeur, tu as raison. Oh, elle va me forcer à rester ici alors que c'est un endroit qui a l'air trop charmant pour moi, c'est bien connu. Ah bah la belle-mère fait des pâtisseries, ça c'est bien par contre. Non, ça non, non, non. Bah, alors un grand secret, quand je vois quelqu'un de vomir, mon corps réagit de manière à l'accompagner généralement, c'est une très mauvaise idée. Oh ça c'est bon ça. Elle a esquivé. Allons à l'église. Oh, est-ce que je peux picoler un petit coup pour me prendre des forces? Génial. Non. Je vais pas charger le beau-frère, je le connais pas encore vraiment. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui manie l'humour avec talent. En tout cas, le beau-père, enfin le padre aime pas trop, enfin l'oncle. Ça tombe bien. C'est parfait. Sure. Santé, na zdrowie. Je doute qu'elle change d'avis. Je surveille le chrono d'un œil sur l'enregistrement parce que je vais quand même pas faire des sessions trop longues. Je me suis engagé à pas vous faire des streams de plus d'une demi-heure et on l'a passé là il y a pas longtemps. Je vais aller jeter un œil. Et il est probable qu'après cette séquence on se quitte les amis, car un si bel événement nécessite un petit peu d'intimité pour le couple, vous le savez très bien.
je me retiens, comment ça passe celle-là? Bof. Bof. Vous voyez mon curseur, il est inexorablement attiré de toute manière. Bon, on va rester le frangin adorable. On va commencer par la femme, hein, je crois que ça marche comme ça. Il est taquin. Il met des réponses que j'aurais aimé glisser, mais que j'aurais pas voulu imposer. Je vais rester gentil jusqu'au bout. S'il se passe. Je crois que c'est la boisson de l'oncle. Ça va. Ça va. Ça va. Infirmière, mon seau officiel, s'il vous plaît. Oh là, ça s'arrange pas. Je vous retrouve juste après. What the hell of bat shit frogs in the hell of kingdom of blue ponies? Ready to rock. Oui, un vampire à gros cul. C'est parti. J'attends cette expression. Ça va chier dans le ventilo. Je crois qu'on l'a tous connu grâce à un film magnifique qui s'appelle Y a-t-il un pilote dans l'avion? Où ça a été carrément illustré dans la tour de contrôle. Et je m'en remettrai jamais de cette expression. Sure, dude. Donc je peux me soigner avec D au passage si vraiment c'est la panique. Mais vous connaissez mon talent, je vais m'en sortir sans problème. J'ai pas fait le bâton de je sais plus quoi, mais j'y arriverai. I will survive. T'inquiète. Ah, mais je suis bourré en plus. Ah, c'est horrible, je suis bourré. Non, c'était pas celui-là, je voulais. Enlève-moi ça. Ah, je vais me faire toller. Ah, just in time. Just in time, Bieber. Où il va, lui? Oh, ça va être dur. Faut que je trouve une croix. On va lui faire un petit coup. Et après, je vais lui piler la tête, quoi. Ah, on va lui faire un gros. Ah, vite. Oh, far fumier, là. Un petit coup. Toujours un petit coup. On va faire plein de petits coups comme un lâche, un vrai lâche. Il est où l'autre? Ah, je l'ai. Vadé. Un petit coup encore. Je vais le défoncer. Oh, ça va mal se passer pour lui. Aïe, pas les affaires, on a dit. Là, vite. Une croix. Hop. Je vais le finir. Finish him. De toute beauté. Alors, espèce de truc volant, va. Tu m'as pris pour quoi? Un noob? Oui, je me demande comment on n'a pas imaginé préalablement que c'était un vampire. Je suis désolé pour ton mari, ma frangine. Bah, je l'ai remis dans le droit chemin. Il est pas mort, il est juste un petit peu barbouillé de sang. Non, c'est pas la peine, on pourrait régler ça entre nous. Heureusement que j'ai mon super bro la rescousse. Les amis, on va se quitter là-dessus. Parce que je vous en ai fait voir assez pour vous donner une idée du jeu et de son fonctionnement.
Vous avez très bien compris qu'on partait dans un jeu d'aventure avec des scènes de combat assez particulières et puis une ambiance qui ne l'est pas moins. Franchement, je crois qu'il y a pas mal de choses à faire avec ce jeu. Sur ce, je vous laisse avec. Regardez, j'invoque. Playlist généraliste. Playlist des shmups. La ultra concentration, bouton d'abonnement. À tout bientôt. Prenez soin de vous. Peut-être.